Et bonjour à tous, c'est Oneox. Aujourd'hui, c'est le test de The King of Fighters 13, comme vous le voyez. C'est développé et édité par SNK Playmore. Ce n'est sorti que en arcade et c'est prévu pour Xbox 360 et PC. Allez, c'est parti, je mets un coin et j'appuie start. Alors, déjà, vous allez me dire, comment tu fais pour capturer vu que c'est sorti que sur arcade? Attends, je m'entends plus là. Je vais pousser le son de mon casque, sinon je m'entends plus parler. Voilà. Alors, ouais, c'est sorti que en arcade, mais quelques petits zigotos ont réussi à piquer le jeu version arcade pour l'adapter sur PC. Je vais vite prendre des persos vite fait parce qu'il y a le timer après. Je parle avec vous deux petites minutes et Robert Garcia parce que je le kiffe. Alors je disais donc que voilà, des petits zigotos ont réussi à piquer le jeu et le replay sur PC. C'est quand même assez fort ce qu'ils ont réussi à faire, même si je n'incite pas au piratage évidemment. Ils ont été très bien inspirés vu que le jeu n'est pas prévu sur PC. Mais là nous l'avons en version PC ici, c'est pas beau ça. Voilà. En même temps, j'ai envie de dire bien fait pour SNK Playmore parce que ils foutent un peu la merde. Je parlerai plus tard de SNK Playmore qui font vraiment de la merde avec leur licence. Surtout Playmore, hein, pas SNK, mais... parce que ça aide. Est mort à racheter SNK, donc ils font vraiment de la merde, j'ai envie de dire. Voilà, alors ouais, le jeu est développé sur le Taito Chip, je crois, X. C'est le même procédé pour qu'ils ont fait pour faire le jeu Blaze Blue, qui a une bonne renommée. Donc voilà, et ce kit de développement a été, comment dire, un ingénieur, ou je sais pas comment on appelle ça, un développeur, pas un ingénieur, un développeur de chez je sais plus qui fait Blaze Blue, tiens. Arc System je crois, non, voilà, de chez Blaze Blue, avait laissé une ligne de code qui n'était pas cryptée à l'air libre en quelque sorte, et on s'est retrouvé avec des lignes de code de développement qui traînaient sur le net. Donc voilà comment est parvenu ce King of Fighters 13 sur PC. En quelque sorte, si j'ai réussi à me faire expliquer, parce que j'ai dit un peu du caca, je crois. Mais bon, bref, vous l'aurez compris dans l'ensemble, tout ça est une histoire de magouille. Voilà. Alors, venons-en au fait. Alors, King of Fighters 13, c'est la suite directe de King of Fighters 12. Oh putain, c'est atroce ce que je dis, quoi. Ça, c'est un petit peu la fatigue. Hein. Je vais pas vous raconter ma life, mais en ce moment, je suis assez crevé. J'enchaîne les vidéos en plus. Mais bon, bref, je disais donc que oui, c'est la suite de KOF 12 qui était, comment dire, considéré par les fans comme un très mauvais KOF, car il avait beaucoup de changé déjà l'esthétique, l'esthétisme, il se rapproche de celui-ci, il est très différent des anciens King of Fighters sortis sur Neo Geo et Arcade, parce que voilà, c'était basé sur la Neo Geo, donc c'était totalement différent. Là, on se retrouve avec des sprites super jolis, super classe, une animation d'enfer. Mais le jeu n'était pas comme ça évidemment à l'époque sur Neo Geo. Aussi car le jeu était super complexe, le 12. Pas complexe dans le gameplay, mais je parle plutôt dans le système de barre de spécial, de combo, etc. Il y avait des tas de trucs à apprendre. C'était assez relou. Bon, même si c'était pour les fans hardcore, ça passe très bien. Pour les mecs qui sont habitués à la série des King of Fighters et aux jeux de baston en général, ça passe. Mais pour le grand public, comment dire, le jeu était super complexe, très chiant à maîtriser. Donc il faut savoir que les King of Fighters à la base, c'est une série qui est beaucoup plus technique que sa consoeur Street Fighter. Ça se dit pas que sa consoeur Street Fighter. Ah là 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 là. Bref, vous l'avez compris, King of Fighters c'est beaucoup plus technique que Street Fighter. Et attention, les mecs de Street Fighter ils vont gueuler, les mecs fans de Street. Mais vous savez que je suis un fan de Street Fighter. Hein. Je tâte beaucoup de King of Fighters aussi, mais ma série favorite est Street Fighter. Mais je sais reconnaître quand même que KOF est beaucoup plus pointu, on va dire, que Street Fighter, voilà. Parce que par rapport au gameplay, tout simplement, des King of Fighters qui est beaucoup plus fourni de ce côté-là. On a plusieurs attaques à apprendre, etc. Plusieurs combos à maîtriser. Le combo est très important dans King of Fighters par rapport à un Street Fighter où aussi le combo est important, mais j'ai envie de dire c'est plus une histoire de timing et de placement dans Street Fighter. Même si là aussi dans King of Fighters il y a une histoire de timing et de placement, mais
Vous l'aurez compris, il y a un jeu où il se base plus sur les combos et sur la technique, et un autre où c'est plus le placement, les réflexes, etc. qui compte. Bref, en tout cas, voilà pour l'histoire un peu de King of Fighters. Voilà. Alors, je me suis un peu perdu dans tout ce que j'ai dit, mais je sais plus où est-ce que j'étais, mais c'est pas grave. Oui, voilà, le 12 qui était... Voilà, c'est ça. Je parlais du 12 qui était juste avant lui, qui était considéré comme un peu mauvais, car, voilà, plein de défauts, des personnages qui n'étaient moindres que d'habitude. On avait moins de persos que d'habitude dans un King of Fighters. Généralement, dans un King of Fighters, on a vraiment énormément de persos. Là, on en avait moins dans le 12. Ici, dans le 13, ils ont fait un effort, il y a vraiment pas mal de... Le casting a bien été fourni, même si on retrouve toujours les classiques, hein, pas trop de nouveautés. Mais ça va, il y a assez de personnages. Déjà, on est que sur la version arcade, j'imagine que dans la version console, il y aura plus de persos. Alors, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Alors, venons-en au fait avec ce 13. Alors, quelques petites nouveautés assez sympathiques. En fait, c'est pas vraiment des nouveautés. Comment dire? Ils ont allégé le jeu de toutes ces truc fouillis qu'on avait dans le 12, c'est-à-dire le système de cancel. Alors attention, hein, je vais essayer de... Bon, je ne suis pas un spécialiste non plus de jeux de baston, même si j'adore ça, les jeux de baston, je joue énormément aux jeux de baston. Voilà, mais les termes techniques, moi, m'échappent. C'est-à-dire que pour moi, une boule de fesse, c'est un Hadoken, quoi. Le cancel, pour moi, c'est... je ne l'avais jamais dit à l'époque, bon, là, je me suis un peu renseigné sur les termes techniques un petit peu. Mais voilà quoi, le cancel, ça permet tout simplement d'empêcher un coup et d'en faire un autre derrière, donc ça permet de faire des enchaînements. J'essaie de vous en faire un là, si ça veut bien faire, parce que ça c'est régi avec la barre. Vous voyez qu'on a deux jauges en bas de chaque perso. On en a une verte qui clignote et une bleue, une jaune. Allez, la mienne est en max, celle qui est à droite. La jaune permet de faire des ultra combos comme ça que j'ai raté. Pas des ultra combos, c'est un truc des combos, des spéciales, on va dire, comme ça. Qui nous permet de faire des techniques spéciales, et la verte, ça nous permet d'activer notre jauge, ça nous permet de faire des cancels, justement c'est-à-dire d'empêcher des coups, faire des combos. Je vais vous montrer ça, parce que ce que je vais dire, c'est assez confus. On peut faire un Hadoken classique comme ça, une boule de feu avec mon perso Robert, mais derrière je peux placer ce coup-ci tout en enchaînant, c'est-à-dire, et ça consomme de la barre. Je vais essayer d'en faire un, non pas ça, j'en fais un peu n'importe quoi, hein. Ne jugez pas mon ski, ce n'est pas une vidéo sur le ski, là je suis en train d'essayer de discuter tout en faisant un combo, ce qui est assez rébarbatif, avec l'IA qui est totalement pourrite, hein, en plus, faut savoir. De toute façon, un jeu de baston, on calcule pas trop l'IA, on s'en fout. J'ai essayé de vous en faire un, je vous en ai fait un, mais je sais pas si vous l'avez remarqué, il avait marqué HD Cancel. Donc en gros, j'ai fait un combo, j'ai empêché un mouvement de se finir, un genre de on va dire ça, un Shoryuken. Et que j'ai enchaîné par la suite avec un Tatsumaki. Je vous parle avec les références de Street parce que Street est plus connu. Mais en gros, c'est un quart de... j'ai empêché un quart de cercle avant de se terminer en lui affublant un quart de cercle arrière comme un Tatsumaki, comme Frère Ryu. En gros, voilà. Ça nous permet de faire des combos. C'est ça qu'on appelle des cancels. Et c'est un peu ce qu'a fait la renommée des King of Fighters aussi, les cancels. Ça existe depuis belle lurette, on va dire. C'est dans la série King of Fighters. Alors voilà, comme je disais, ils ont allégé ce système de cancel dans ce King of Fighters par rapport au 12. Ils ont allégé aussi, on avait des cancels pour les gros spéciales, pour les grosses techniques. Genre on faisait une grosse technique, on pouvait l'arrêter en faisant... Et je me suis fait niquer par Andy. Je me coupe tout le temps, c'est atroce. On faisait une grosse technique, un spécial de genre, je sais pas moi, le House of Doken de Ryo, etc. Et on pouvait enchaîner par derrière sur la seconde furie du personnage. Voilà, on va appeler ça furie. Chaque perso a plusieurs furies, ça dépend, entre 2 et 3, voire même... Qu'est-ce qu'un perso qui a 4 furies? Non, je crois pas. Voilà, chaque perso a différents furies, et on pouvait, dans le 12, enchaîner ses furies. Voilà, par exemple, là, j'en fais une, j'aurais pu en faire une seconde dans le 12. Là, ils ont enlevé ce système-là, mais, comment dire, je trouve ça mieux, parce que franchement, c'était trop confus tout ce qu'on devait apprendre. Là, c'est plus simple, on retourne à la base, comme à l'époque de King of Fighters 12... 12, qu'est-ce que je dis, moi? King of Fighters 12... Mais justement, King of Fighters 12, c'est celui qui était censé être plus compliqué. Non, je m'égare. Je disais, oui, on est revenu à une... comment dire... à une version plus allégée, comme dans King of Fighters 2002 ou 98, ou les anciens King of Fighters qu'on avait à l'époque sur SNK. Je vais vous passer, je vous la laisse aller, ça permettra de parler.
En gros, c'est devenu plus simple, une prise en main plus directe, plus péchu, et vraiment c'est agréable, très très agréable. Moi j'avais pas aimé depuis à peu près King of Fighters 2003, j'ai pas trop aimé ce changement radical avec le gameplay, de toutes ces cancels à apprendre, etc. Je trouvais ça très pas compliqué, parce que moi ça va encore, j'ai l'habitude des jeux de baston, mais pour mon entourage, j'ai vu que ça les faisait chier d'apprendre tout ça, etc. Mais avec celui-ci, King of Fighters 13, alors on est revenu un peu aux bases, et ça c'est vraiment pas mal. Des coups assez simples à assimiler, des quarts de cercle avant arrière, etc. C'est assez simple, mais grâce à la magie du cancel, c'est vraiment jouissif d'apprendre tous les combos, etc. Et pour un connaisseur, c'est vraiment pas mal. Alors là vous venez de voir une cutscene de qui coupe un moment important du scénario, puisqu'il y a un scénario, bon on va pas s'attarder sur le scénario de King of Fighters, c'est toujours un tournoi organisé, etc. Comme dans Street Fighter, bref, on va pas se prendre la tête avec ça. Mais qu'est-ce que j'allais dire avant? J'ai totalement oublié, merci. Ça va me revenir, mais voilà. Ah oui, voilà, il y a des persos qui ont été modifiés. Il y a des persos qui ont été modifiés par rapport aux versions Neo Geo du style Kim. Vous allez le voir plus tard, je vous le montrerai. Qui a été modifié. Moi, je trouve que sa modification était un peu scandaleuse. Car Kim a perdu beaucoup de coups. Donc, c'est devenu un perso style... Petit Guile de Street Fighter, donc c'est vraiment décevant parce qu'il avait vraiment pas mal de coups à l'époque. Il permettait de faire des combos de folie, de psychopathe dans KOF 2002, je l'utilisais beaucoup. Même dans 98, qui était excellent. D'ailleurs, Kim, d'ailleurs, à chaque version de KOF, limite, il change à chaque fois. C'est pareil avec Takuma. Donc là, je vous parle de perso. Si vous connaissez pas trop les persos, je vous conseille d'aller voir sur YouTube, n'importe quoi, sur Google ou sur Wikipédia. Qu'est-ce que je fais? Ça vous permettra de connaître tous les persos, parce que chaque perso, évidemment, a sa propre histoire, ses propres coups. Pour les connaisseurs, c'est un régal de les retrouver. Et pour les autres, je vous conseille d'aller regarder sur Wikipédia et autres sites. Bien joué, Benimaro. Pour connaître les persos. Alors, il faut savoir aussi que dans l'histoire des King of Fighters, les persos... viennent de différents jeux de combat de SNK. Alors, c'est-à-dire que là, Robert Garcia, le perso que j'ai, vient de la série des Art of Fighting, qui était une excellente série à l'époque sur Neo Geo. J'ai aussi dans mon équipe là que j'ai pris Terry Bogard, qui vient de Fatal Fury. Alors il y a des persos qui sont spécifiques à la série King of Fighters, qui ont été créés que pour cette série, genre la Goro Demon, ou sinon Kyo, etc., Yori. Mais on a d'autres persos qui sont tirés d'autres jeux SNK, et ça c'était aussi une des forces des King of Fighters, c'était comme ça depuis le premier, depuis 94. Ça c'était vraiment excellent. Alors c'était une petite aparté, voilà, je disais oui, il y avait des persos avant ça, je disais qu'il y avait des persos qui étaient entièrement changés. Leur gameplay a entièrement changé, et je trouve ça regrettable parce que certains sont bien fichus. Comme Takuma qui a été changé, mais je trouve pas qu'il est aussi pourri que ça. Je trouve qu'ils l'ont bien changé en tout cas. Sa skin est un peu naze, hein. Takuma je vous la montrerai plus tard. Elle est un peu, je l'aime pas trop, ça fait vraiment vieux schnock, mais son skill, ses mouvements sont plutôt sympathiques. Après, qu'est-ce que j'allais dire? Oui voilà, il y a d'autres persos qui sont un peu moins bien faits, comme Kim. Mais dans l'ensemble, ça reste potable, le gameplay est similaire à ce qu'on avait connu sur Neo Geo. Comme là, vous voyez que je vais combattre Kula, qui était présente depuis le 99 ou 2000 peut-être, je ne dis pas de conneries. Elle a gardé ses coups depuis les mêmes, c'est la même que celle du 2002, donc ça va être King of Fighters 2002. Alors Kyo, le perso que j'incarne là, qui est une des emblèmes phares de la série, c'est un peu le Ryu de King of Fighters. Lui a repris, à chaque fois qu'il y a un nouveau coffre, il change de mouvement, lui c'est hallucinant. Donc là, il a un style plus à la 98, j'ai envie de dire, comme 98. C'est-à-dire qu'il a des mouvements qu'il avait dans le 98, qu'il a récupéré dans ce coffre, qu'il n'avait pas par exemple dans le 2002 ou dans les opus précédents. Donc voilà. Voilà qui est dit. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur le jeu? Alors esthétiquement, le jeu il déboîte. Franchement, c'est super beau. Moi j'adhère. J'adhère franchement sur ce style graphique. Alors, oh putain, alors là, mais c'est super combo. Il m'a défoncé. Bien joué, Kula. Je fais pas très attention à ce que je fais à l'écran. Donc, je vous le dis tout de suite, mon skill est assez pourri. Je le reconnais. Il n'y a pas de problème là-dessus. Pas de problème. D'ailleurs, petit coucou à Yamata. Elle a regardé la vidéo sûrement.
mon pote Yamata qui est un dieu à King of. Bon, j'en fais un petit peu trop, mais il a un skill de psychopathe à Koff, faut savoir. D'ailleurs, j'aurais bien voulu qu'il se traduise avec moi, mais vu qu'on n'a pas en online et qu'on ne voit pas souvent. Donc, on n'a pas pu la faire, mais c'est pas grave, on fera ça pour un prochain Koff, il n'y a pas de problème. Ce n'est que partie remise. Bon, alors je disais, oui, oh là là, tu as égaré avec ça, cette histoire. Que oui, alors qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Par exemple, les décors sont super classe. Le jeu a une patte graphique excellente. L'animation est sans faille. On aurait pu se dire que avec des nouveaux sprites. Putain, bien chaud là. Avec des nouveaux sprites, l'animation risque de changer, etc. Le jeu risque d'avoir une nouvelle animation. Mais pas du tout. C'est tout aussi fluide qu'avec ce qu'on avait connu à l'époque, et je me fais bien défoncer comme une merde sur Neo Geo. Donc non, vraiment excellent, l'animation du jeu est parfaite, tout est excellent, le système de combo est vraiment parfait. Rien à dire, pour moi c'est je vous le dis tout de suite, c'est un excellent coffre. J'avais pas ressenti ça depuis coffre 2002, donc vraiment un bon coffre que j'aime vraiment. Un petit bémol pour les musiques, je trouve qu'elles sont pas terribles, mais bon, ça ce n'est qu'un petit détail. Ce n'est pas ce qui fait l'intérêt du jeu, j'ai envie de dire. Bon, les musiques, si, un petit peu, mais bon, elles sont pas si pourrites que ça, mais bon, c'est vrai que ça m'a... moi, me plaisent pas tant que ça, voilà. C'est pas pourri, mais c'est pas non plus extraordinaire. Or, un petit truc chelou aussi pour les décors, regardez à l'arrière. C'est pareil tout le temps, dans chaque décor, on a une centaine de personnages derrière qui bougent à 200 à l'heure. Je sais pas pourquoi l'animation est comme ça derrière. Par contre, je m'étouffe. Je disais donc, ouais, regardez le décor derrière, c'est assez chelou. Je sais pas si vous l'avez remarqué tout à l'heure, on était à Paris, on était devant l'Arc de Triomphe, il y avait des centaines de grosses femmes, des grosses nanas toutes blondes qui bougeaient à 200 à l'heure. Et là, on a des sumo, donc c'est assez bizarre ce trip avec des animations derrière dans le décor qui bougent à 200 à l'heure, c'est pas grave. C'est toujours marrant, mais dans l'ensemble, le jeu est très... Alors, oui, j'avais décidé aussi de parler un peu de SNK Playmore. Voilà, alors SNK Playmore, franchement, il y a des gens qui disent que ce jeu me saoule vraiment, m'énerve même beaucoup, car SNK Playmore a décidé récemment, pas si récemment que ça, hein, il y a déjà quelques mois de ça, qu'ils allaient arrêter carrément le jeu, c'est-à-dire qu'ils allaient arrêter de faire des jeux vidéo, ou faire des jeux très rarement, et de temps en temps, pour se consacrer aux machines de Pachinko, c'est-à-dire des machines à sous au Japon. Genre, je sais pas si vous êtes fan de manga, vous avez sûrement dû les voir, les machines avec des petites billes à récolter, et plus on en ramasse énormément, plus on gagne des trophées. Et SNK Playmore s'est décidé à faire ce genre de business et arrêter le jeu vidéo pour le moment, ou pas arrêter totalement, mais de laisser ça en stand-by. Moi je trouve ça honteux, parce que SNK Playmore, oh ben c'est SNK, qui dit SNK dit des licences de psychopathes du style Metal Slug, les King of Fighters bien sûr comme celui-ci, qui est sorti déjà il y a un an de cela, hein, en arcade. On va l'avoir bientôt sur console grâce à Atlus d'ailleurs, l'éditeur, parce que sans Atlus on n'aurait pas eu ce jeu, faut le savoir, il ne serait pas sorti. Il va sortir que aux US pour le moment, je sais pas s'il y a une date de sortie française, je ne suis pas renseigné sur ça, mais bon voilà. Donc voilà, je disais oui, SNK Playmore, c'est se foutent vraiment de nous parce que apparemment comme le 12 c'est très 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 mal vendu, King of Fighters 12, ils ont bidé un max, on pense, ils le méritaient un petit peu. Alors ils ont décidé de freiner la production du jeu vidéo. Et moi je trouve ça honteux parce que SNK a vraiment d'énormes jeux derrière eux, de jeux d'arcade d'excellente qualité, qu'ils auraient pu nous faire des suites, etc. Donc vraiment carton rouge vif pour SNK Playmore, franchement. Voilà, c'était mon petit coup de gueule pour SNK, parce que franchement, s'ils nous sortent des jeux de cette qualité comme King of Fighters 13, je pense que ça ferait un carton tout de suite, parce que franchement c'est un excellent jeu de combat, je vous le conseille d'ores et déjà. Alors il y a la version PC, comme je vous dis, allez, c'est du piratage, je peux pas le dire. Donc je vais pas vous mettre les liens sur la vidéo, j'aurais pu, hein, je pensais à les faire. Je sais que si je fais ça, je me fais griller par YouTube d'entrée, quoi. Donc, c'est très facile, hein, à trouver. Vous tapez KOF 13 Mega Upload ou quelque chose comme ça, vous trouvez direct.
C'est très simple à trouver, c'est très facile à installer. Bon, faut une bonne config, attention. Là, je le fais tourner à l'aise, moi. En plus, je suis en train de capturer avec frappe, donc ça tourne très bien. Il y a quelques petits ralentissements, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça, c'est de la frappe. Sinon, le jeu tourne très très bien. Très très bien. Faut une bonne config, attention, sinon le jeu va ramer un petit peu et ça va pas être très. Ça va pas être très très jouable. Alors, faut savoir aussi que cette version est pas parfaite, parfaite sur PC. Tant on va pas se plaindre, bon, c'est déjà énorme le travail qu'ils ont fait, les Zygoto. Quand on va arriver au boss, je vais vous montrer, on va pas tarder. Le jeu, comment dire. Ah, putain, Clark Ralph. Il est. On fait sa shop, super classe. D'ailleurs, petit aparté, Ralph, ce perso là que vous voyez, et Clark, l'autre perso, si je me trompe peut-être vous verrez, viennent d'un jeu qui s'appelle Ikari Warriors. Mais là, je vais me le faire buter, mais si je le bute, vous verrez Clark. Ils viennent du jeu Ikari Warriors, c'est un vieux jeu d'SNK, un genre de semi-beat-em-all Rambo, où c'était bien funny. Donc voilà, ce qui est pas mal dans King of Fighters, c'est de retrouver ces persos là. La perso Athena, qui vient du jeu Athena, justement, son propre nom. Vraiment excellent tout ça. Bref, je me suis égaré, je disais oui, il faut une bonne config pour le faire tourner, ça c'est une évidence. Et puis voilà, il y a quelques petits bugs. Je reviens à ce que je disais. Il y a un petit bug, il y a quelques petits bugs de cette version PC. Oh putain, il m'a encore chopé le coup. Dans cette version PC, quand on arrive au boss, les deux boss, je pense qu'il y en a deux, on a un semi-boss puis un boss. C'est classique dans les King of Fighters, c'est toujours comme ça. Il y a quelques petits bugs d'affichage dans le fond, des petits carrés noirs qui s'affichent. Mais bon, rien de bien gênant pour maîtriser le jeu. Alors là, vous voyez Ralph, un second perso du Carry Warriors. Bon, leur skin, elle est assez chelou. Elle est pareille que dans le 12, mais n'était pas habitué à ce genre de skin avant le 12. Et là, c'est des skins super bodybuildés. C'était pas comme ça dans les anciens King of Fighters sur NGO. Ah oui, j'ai oublié de vous parler d'une chose importante. Une chose importante dans le gameplay, putain, j'ai la tête en l'air, hein, c'est un truc de fou. On a les coups EX qui font leur apparition dans ce King of Fighter, tel un Street Fighter. Hop, putain, je me suis fait choper. C'est-à-dire que quand on appuie deux fois sur point ou pied et qu'on exécute un mouvement qui est. Voilà, là j'en ai fait un, vous avez vu. Quand on appuie sur les deux touches de point et de pied et qu'on exécute un mouvement du style Hadouken sur Ryuken, mais qu'on appuie sur les deux points ou les deux pieds, comme je le répète depuis tout à l'heure, on fait un coup EX qui consomme un peu de la barre de spécial et qui fait encore plus mal, donc il est deux fois plus puissant. C'est un peu comme le Hadouken de Ryu classique et le Shin Hadouken. Non, pas le Shin Hadouken, comment on dit ça? Le Hadouken en flamme. Bon bref, on va l'appeler comme ça. On a le Hadouken classique et quand on appuie sur les deux coups de poing en même temps, on a le Hadouken en flamme. Donc c'est exactement pareil dans ce King of Fighters 13, on a les coups EX. Donc voilà, c'est assez pas mal, ça apporte un peu de nervosité dans le gameplay. Je trouve que c'est une bonne idée que de l'avoir mis dans ce coffre 13. Alors vous voyez les cinématiques qui dévoilent un peu le scénario, qui on s'en fout un petit peu, qui sont assez pas mal, sont bien modélisées. Bon, même si c'est pas du grand animé. Ce qui est un peu chiant, c'est qu'il n'y a pas de voix. C'est complètement con. Il bouge la bouche bouge, mais il n'y a pas de voix. C'est à l'écrit. Donc j'espère que pour la version console, on aura des seiyuu, des doubleurs. Comme on dit au japonais, des seiyuu. Au Japon, pardon. Pour doubler tout ça. Parce que ça, c'est plus classe que si on avait juste un texte avec des lèvres qui bougent dans le vide. Alors là, vous voyez le premier demi-boss. Moi, je pensais que c'était le boss. Alors, il n'est pas terrible. Hein. Je trouve qu'il est pas très charismatique. Vous allez voir comment il est animé. Il a des vieux trucs noirs sur le visage, sur les pieds, sur les mains. Pas très intéressant, je trouve que sa manière de jouer, bon, les overcheats. Voilà, regardez, dans le fond, il y a des petits carrés noirs. C'est les petits bugs de la version PC, mais bon, j'espère qu'il y aura un patch pour corriger tout ça ou faire une autre version. Bon, ça se chipote. Donc voilà, le boss, qui est le demi-boss plutôt, voilà, qui se bat toujours à base de shop. Pas très intéressant. J'étais déçu par ces boss-là. Vous verrez que le second. Je vous laisse la découverte, mais sinon il est pas terrible non plus. Hein. C'était d'ailleurs très en colère parce qu'ils sont foutus un peu mieux. Voilà, il se bat tout le temps que c'est choc de merde. Que je vais faire un peu n'importe quoi, je vais le bourriner. Hein. Je fais pas très attention. C'est pas une démonstration de skill, je le répète. Donc on me taxe pas de mauvais joueur à top. Même si je prétends pas être un bon joueur, mais. Voilà, alors voilà, je vais essayer de vous montrer les coups X. Alors, je vais vous montrer ce coup. Alors, ça, c'est le coup basique, vous le voyez. Et là, si je fais ça, c'est le coup X. Regardez, il y a une étincelle bleue qui m'enveloppe.
et ça fait un coup plus puissant et plus long. Là je me suis fait démonter lamentablement. Terrible, regarde, moi je trouve qu'il a la classe, regardez. Il a repris sa skin de Fatal Fury dans les coffres de qui était avant le 12. Oh putain, le combo spécial. Heureusement que je me suis garé, n'importe quoi garé. Heureusement que j'ai gardé, je veux dire. Donc il a repris sa skin de Fatal Fury dans le coffre 2003, je me rappelle bien que la live. Il avait repris sa skin de Garou Mark of the Wolf, qui était pas terrible, je trouve, avec sa veste, parce que je fais n'importe quoi. Et je décide de... Hop, je lui place une Fury. Ah ouais, d'accord, avec sa chute de merde. Donc oui, il a repris sa skin de Fatal Fury. Alors, je ne sais pas montrer beaucoup de personnes, tout à l'heure je vous montre les meubles, donc si je crève là, je change. Ça me permettra de changer. Les boss qui ne sont pas terribles, ils sont pas difficiles non plus. Hein. Là je galère un petit peu parce que je suis un peu con. Mais sinon, niveau difficulté, ils sont assez prenables. Hein. Pour les néophytes, c'est assez prenable. Pour les novices, vous n'aurez pas tant de difficultés que ça. Hein. Vous entraînez un petit peu et puis ça passe tout seul, j'ai envie de dire. Et bon, l'intérêt de ce genre de jeu, hein, les jeux de baston, j'ai toujours dit ça, c'est ne pas y jouer en solo, évidemment. C'est toujours meilleur à deux, voire à plus, faire des petits tournois. C'est là qu'on maîtrise mieux le jeu. Oh putain, je vais me faire déplacer. Hop, oh, putain, je l'ai garé, Si j'ai répété le même truc, j'ai garé. N'importe quoi. Que j'ai gardé. Je disais donc que l'intérêt de ce genre de jeu est pour s'améliorer. Il est préférable de jouer à plusieurs, même si je fais n'importe quoi, parce que le CPU est toujours chiant, parce qu'il a toujours ce... Il est basé toujours... Il sait les coups que tu vas mettre, toi, derrière ton écran, que tu m'écoutes. Il sait le coup qu'on va faire, donc il agit de telle sorte à ce qu'il nous contre tout le temps. C'est assez chiant, mais voilà. Alors, je vais me faire niquer, mais c'est pas grave. Oui, je vais vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas la série King of Fighters, quand on fait un continu... Alors, je mets des crédits, même si c'est pas des crédits, faut pas le dire. Quand on perd, on a différents choix. Soit c'est pour faciliter la difficulté du jeu, soit de baisser la barre de vie du CPI d'un quart, comme vous voyez, d'avoir une barre de spécial à fond. Et là, attention, je sais plus c'est quoi le troisième. Et le quatrième, c'est pour ne rien faire. Et le troisième, c'était quoi déjà? Ah, je sais plus ce que c'était. Donc bref, ça nous permet de nous rendre un peu plus fort pour faciliter la difficulté du jeu. Bref. Alors je prends d'autres personnages. Je vais prendre Athéna, que j'aimais bien. Je trouve que dans celui-ci elle est un peu moins bien faite. Voilà. Je prends Yori, qui est aussi un personnage qui a été modifié. Je trouve ça scandaleux. Bon, depuis le 12, il a été modifié. Et je prends Mei, parce que vous savez pourquoi. Vous voyez par vous-même, je ne vais pas l'expliquer. Non mais voilà, l'animation des nichons de Mei, elle est encore plus abusée dans ce coffre. Alors je disais, oui, Yori qui a été modifié depuis le 12, parce qu'apparemment, par des millimilos dans le scénario, il a perdu ses pouvoirs d'Orochi pour faire des flammes, etc. À la base, c'était un personnage un peu comme Kyo, comme le personnage que j'avais tout à l'heure avec la veste noire. Mais là, il a perdu un peu ses pouvoirs, donc il a des coups qui ont été modifiés. Et je trouve qu'il est pas terrible. Il ressemble un peu à un perso de Garou Mark of the Wolf, un autre jeu d'Asmika, qui utilise ses griffes. J'ai oublié son nom. Merde, comment il s'appelle? Bref, je l'ai oublié. Mais voilà. Donc il est... C'est un hybride entre lui en version Orochi et ce perso de Garou Mark of the Wolf. Là, je me fais défoncer. Oh putain, c'est pas qu'on peut garder. Ah, mais on peut pas garder en l'air, tiens, si j'avais pas la remarque. Je me fais bien malmener, merci. Super sympa. Je pense que si je me fais encore niquer, je vais tricher, quoi. Je vais lui baisser sa barre de vie. C'est pas grave, juste pour vous montrer le dernier boss, puis on va s'arrêter là. Peut-être qu'à la fin de la vidéo, si je peux le faire, attention, si je peux pas le faire, je le ferai pas. Je vous mettrai tous les endings, parce que je sais qu'il y a un fichier vidéo du jeu. Alors regardez, Kyo, je vous montre Yori plutôt, comment il se manie. Donc il a plus ses flammes, pour les connaisseurs, hein. il n'a plus les trois coups aussi à la Fei Long, c'est-à-dire faire des Hadoukens inversés trois fois de suite pour faire les trois coups de poing. Donc il est vraiment différent. Bon, il garde certains coups qu'il avait, mais donc voilà. C'est un peu agaçant, je croyais qu'il était un peu agaçant comme ça. Oh putain, avec ses chops, ça vous êtes. Bref, qu'est-ce que j'allais dire d'autre que je ne sais plus. Oui, je comptais vous mettre à la fin des endings de chaque team, parce qu'il faut savoir,
pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des teams à respecter. On peut choisir, parce que les combats se passent 3x3, vous l'aurez compris hein, tout à l'heure, vous ne l'avez pas dit, mais vous l'aurez compris. On peut choisir différents personnages pour faire sa propre team, ou on peut sélectionner une team déjà faite par le CPU, parce que chaque il y a une team, il y a des teams construites spécialement, et chaque si on respecte ces teams là, on peut faire des fins spécifiques pour chaque team, et ça c'est pas mal, mais ça existe depuis KOF 94, ce truc là, depuis le premier King of Fighters. Donc voilà, si je peux, je vous mettrai les fins de chaque team et les fins spéciales, spéciaux. Spécial ou les femmes, parce que c'est plusieurs en fin de vidéo. Et là, Mail se fait bien tâtonner la gueule. Et vous voyez l'animation de ces nichons, c'est assez abusé. Alors, les skins, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, parce que ça différencie des anciens King of Fighters. Moi, ça me dérange pas, je trouve ça original. Voilà, on devait changer, on devait passer à l'RHD. Je trouve que c'est classieux et l'animation est géniale. Et je parle pas que des scènes de Mail. Et là, je me fais défoncer la gueule comme une pauvre merde, mais c'est pas grave. Allez, on va baisser la difficulté. Heureusement qu'on n'est pas sur une bande, une vraie bande d'arcade, sinon j'aurais claqué mon argent dans cette connerie. Voilà, je vais baisser ses points de vie. Putain, mais c'était quoi déjà le troisième choix? Ah, j'ai un trou de mémoire. Bref, parce que généralement je fais toujours sans. Si je perds, je ne touche pas. Je laisse tel quel. Alors voilà un nouveau personnage aussi, je ne l'avais pas montré, je voulais prendre. Il est assez un peu cheaté, il ressemble un peu à celui-ci, à Wow. Pourquoi il s'appelle Wow? H-W-A. C'était quoi son vrai nom? Je sais que ça s'appelle pas comme ça. Moi j'ai oublié son nom, bref. Bon, ok, il ressemble un peu à ce perso, mais en over cheaté. Alors je vais prendre Kim, voilà le perso que je vous parlais tout à l'heure. Alors pas mal de couleurs aussi, je ne vous ai pas parlé de ça. Un nombre de couleurs assez hallucinant. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas que des couleurs, parfois les skins changent. Regardez là, il n'y a pas les traits. Les skins changent aussi, ils ont fait un effort là-dessus. C'est assez pas mal, il y a certaines skins qui font penser à d'anciens persos d'autres jeux de SNK. D'autres jeux de baston de SNK, par exemple celle-ci. Attendez, elle est où? Je crois que c'est un perso de Rage of Dragon, je sais plus. Merde, j'ai pas fait attention. Voilà, j'ai pris un perso au hasard. Comme un con, mais c'est pas grave. Donc c'est assez pas mal, et je vous montre le nouveau perso, quand même. Perso qui vient de Art of Fighting, non, de Fatal Fury, moi, je sais plus. Il vient, en tout cas, il vient d'anciens jeux SNK. Mais vous allez voir, il est assez foufou dans sa tête. Il fait un peu penser aussi à un perso de Street Fighter Alpha, le disciple de Sagat, qui lui aussi, j'ai oublié son nom, c'est atroce. Mais sauf que lui, il avait des cheveux, là, il est chauve. Alors, allez, je vais essayer de vous montrer certains mouvements. Si le boss veut bien se laisser faire, regardez, sa barre de vie aussi a diminué. Ouais, il a un coup de genou assez dévastateur. La barre de vie était déjà entamée parce que j'avais choisi le choix. Putain, il va me lâcher. Ah, il est atroce en plus, il est pas compliqué celui-ci. Oh, je me panique. Par hasard, il a passé. Heureusement que j'ai gardé ici. Et j'ai pas garé, hein, comme je disais tout à l'heure. Hop. Toujours le système d'esquive, la roulade, évidemment. Même si là, je fais n'importe quoi. C'est hallucinant. Mais je joue comme une merde. Ah là là, je vais. On va pas rester 107 ans sur ce boss de merde. Alors, ouais, Kim, moi, c'est un perso que je kiffe. Mais dommage qu'ils l'ont enlevé certains coups. Là, ça devient un Gail. Des plus primaires, même s'il a certains coups que n'ont pas Gail, évidemment. C'est de... Et je trouve qu'il est classieux, franchement. Voilà. Alors j'essaie de me concentrer. Hop. J'essaie de me la fermer. On va essayer de le niquer. Bon, de toute façon, il est bientôt mort. Voilà. Je voulais vous montrer un spécial, mais putain, dans le bar, elle est pas pleine. Bon, laissez tomber, je vous montrerai ça plus tard. Allez, si tu veux bien me lâcher, connard. Hop, voilà, dans la gueule. Et on te dégage, voilà. Bien sûr, quand on choisit les options comme ça, c'est un peu cheaté, mais bon, ça c'était ce qui est préférable, c'est de ne rien choisir et de laisser tel quel pour s'améliorer, parce que là c'est clairement cheaté. Alors voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors rien à voir avec le jeu, j'ai prévu de faire d'autres petites vidéos en ce moment, j'en fais pas mal, donc vous aurez certainement vu la vidéo de Fear 3 avant celle-ci. Le jeu m'a clairement déçu si vous l'avez vu la vidéo, et sinon bah, j'en ferai d'autres après ce King of Fighters. J'ai d'autres petits projets, des petites vidéos surprises comme celle que j'avais fait sur Bad Company 3, ou d'autres petits projets à plusieurs. C'est toujours marrant de faire des vidéos à plusieurs, on se lâche un peu et on fait pas vraiment des tests, on fait plutôt les cons. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, j'espère que mes vidéos vous plaisent. Comme d'habitude, le système des commentaires sur YouTube ou sur Dailymotion, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos impressions, ça me permet de m'améliorer et aussi de
d'avoir votre avis, tout simplement, ça me fait toujours plaisir, en bien ou en mal, tant que c'est constructif, moi je prends la critique. Si c'est juste pour me dire ouais tu fais de la merde, casse-toi, ça sert à rien là. C'est clair que je vais vous prendre pour des cons, etc. Mais si vous avez des choses à dire très constructives, ou en bien ou en mal, je prends. Alors voyez le dernier boss du jeu qui est juste honteux, en fait c'est un personnage qui est dans le jeu, qui s'appelle H, si je me trompe pas, mais en version overpower en quelque sorte, avec une ombre tout autour noire, donc ils se sont pas fait chier à faire une nouvelle skin, ils ont juste mis de l'ombre noire tout autour, et je trouve que le décor final est assez moyennasse, un fond tout blanc là, épuré, mais en quelque sorte on se fait pas chier à faire des décors, et voilà quoi. Bon, il est assez relou hein, d'ailleurs, qui est très chiant, mais ça c'est comme dans tous les King of Fighters, les boss finaux, ils sont toujours overcheatés. Faut pas s'inquiéter, c'est toujours comme ça. Allez, il balance des boules de feu, c'est un truc de fou. Donc celui-ci, je le maîtrise pas en plus perso. Donc si on galère trop, pas de problème, je ferai baisser sa barre de vie. De toute façon, voilà, c'est juste pour vous montrer la fin. Et puis après ça, si je réussis à récolter les vidéos des endings de tous les persos, je vous les mettrai à la suite, comme ça, ça complétera la vidéo. Et voilà, voilà. Allez, on se concentrer, on va arrêter de parler du jeu, on va arrêter de dire des conneries. On va essayer de le niquer. Hop, regardez ce spamage, c'est un viol quoi, ça c'est hallucinant. Et alors j'ai essayé de faire un combo. J'ai pas fait une seule furie avec. Oh merde, il est passé n'importe comment. Je l'ai passé, il a deux furies, il en a une où il met un gros coup de pied. D'accord, n'importe quoi, c'est hallucinant. Où il met un coup de pied frontal, où il envoie son adversaire en l'air et ça nous permet de l'enchaîner en l'air. Mais sinon on a un enchaînement classique. Alors Yuri, qui est un personnage plutôt, sa skin est assez étrange je trouve. On fait comme vraiment une petite gamine. Bon, en même temps c'est la sœur de Ryo, le personnage, un des personnages emblématiques de Art of Fighting. Et la fille de Takuma, le personnage que je vous ai dit tout à l'heure, d'ailleurs si je meurs là je les prends. J'essaie de prendre une team déjà pré-fait. Alors, elle ressemble un peu, il y aurait à Sakura de Street Fighter 4, si vous avez connu, ou Street Fighter Alpha. J'essaie de l'enchaîner, hein. Je me prends pas trop la tête, je veux bourrer. J'aurais pas vu énormément de combos, mais à la base, cette vidéo n'était pas une vidéo de démonstration du jeu, mais plutôt un test de ce que j'ai pensé du jeu. Sans prétention. Alors, ouais, modifié. Je vais vous montrer Takuma. On va baisser... d'un quart sa vitalité, même s'il est assez chiant. Voilà, alors vous voyez les différentes teams, je ne vous ai pas montré, mais chaque team a un nom. Ça, c'est la team Osaka, c'est la team Kyo, Benimaru, Daemon. Ça, c'est la team quoi, ça, Elisabeth, on l'appelle, je crois, je ne sais plus. C'est des nouveaux persos qui sont arrivés dans le 12, si je me trompe pas, dans le 11, King of Fighter 11. Donc voilà, ça, c'est la team Art of Fighting, classique, qui vient d'Art of Fighting. Ça c'est la team Fatal Fury, donc j'ai inversé quelconque. C'est la team Fatal Fury plutôt. Ça c'est la team Art of Fighting. Ça c'est la team Orochi, si je ne me trompe pas, avec Yori, etc. Donc Ikari Warriors, c'est la team Ikari Warriors, ça vient d'un autre jeu SNK. La team Athena. Bon bref, voilà, chaque team a son nom. Et ça c'est assez pas mal. Donc le perso qui est au centre, il n'a pas de team, qui est assez seul. Et c'est lui en fait le boss final, donc ça c'est naze. Une skin noire. Et je prends la team Art of Fighting League, parce qu'il y a 5 secondes, parce qu'on a un timer, on est sur arcade. Voilà, regardez Takuma, regardez sur le net et tapez Takuma en version King of Fighters 98 ou 2002 ou n'importe lequel qui est date. Vous verrez que sa skin a été modifiée. Je trouve que là il fait super vieux quoi. Alors Ryo aussi, voilà le personnage que je l'incarne, il est assez différent. Ils ont plus fait une skin à la Art of Fighting que celle qu'il avait dans King of Fighters. Donc ouais, c'est plutôt plaisant. Ça change par rapport à King of Fighters, aux anciens King of Fighters. Mais je trouve que sa skin est classieuse. Que vous dire de plus, que j'ai beaucoup aimé en tout cas ce King of Fighters. Il est meilleur que King of Fighters 12 clairement pour moi. Et vraiment c'est un excellent jeu de combat. C'est différent de je me suis fini qui comme une merde. C'est différent d'un Street Fighter. Franchement, pour ceux qui ne connaissent pas King of Fighters, jetez-vous dessus dès sa sortie, surtout que SNK en a besoin, parce que sinon la boîte va fermer, ils ont fait des bides et tout ça. Donc je vous conseille fortement, vous n'allez pas le regretter. C'est du bon vieux jeu de combat en 2D, entre potes ça marche toujours. Et puis c'est vraiment intéressant. Bon, faut voir ce qu'ils vont donner en version console, s'il y a des bonus, etc. Mais des nouveaux persos, mais franchement ça vaut le coup, le jeu est très bien.
Voilou, voilou. Allez, on va essayer de le niquer. Puis on va s'arrêter là. Pour la vidéo. Allez, je vais niquer, voilà. Alors on se laisse là. Je vous dis à une prochaine. Comme la vidéo, ça fait toujours plaisir d'avoir vos impressions. Allez, ciao, à une prochaine fois.